On a réalisé pour le Salon du Chocolat une robe en chocolat et macarons avec Manon. Alors, vous pouvez me dire comment est venue déjà l'idée de la création de ce costume ? Bah, l'idée, Stéphane Henriot, qui organise le Salon du Chocolat, nous a demandé lors d'une réunion qui pourrait faire une robe en chocolat pour le défilé, histoire d'animer un petit peu le salon. Donc, on a relevé le challenge et je pense que jusque-là, on s'en sort pas trop mal. Alors c'était vraiment une réussite, oui, tout à fait. Ça a pris combien de temps pour en monter un petit peu cet ensemble ? Eh bien, il a fallu une 130aine d'heures de travail parce que c'était un petit peu plus ardu que le projet initial. Donc il y a eu des modifications, mais disons qu'au bout de 130 heures, je pense que entre les essayages, la conception, etc., on n'a pas trop mal réussi le sujet. Alors qu'est-ce qu'il y a justement sur cette robe de bon à manger ? Alors, sur cette robe de bon à manger, il y a une quinzaine de kilos de chocolat, il y a une centaine de macarons. Donc, on a une armature solide sur laquelle on a moulé du chocolat. On a moulé une armature sur Manon et ensuite, on a façonné le chocolat pour que le bustier s'adapte à elle. Manon, c'est pas trop dur de rester modèle et immobile comme ça dans une armature, une telle armature ? Non, moi, ça me fait plaisir. Si ça peut aider et puis... Moi, j'aime bien montrer tout ce qui est beau et puis voilà. C'est une manière pour vous aussi de montrer votre savoir-faire. C'est une manière de montrer le savoir-faire et de montrer un petit peu au public que on peut modeler le chocolat autre chose que sous la forme d'une tablette ou la forme que l'on voit tous les jours. Disons qu'on peut à peu près tout faire avec le chocolat. Le seul ennemi, c'est comme aujourd'hui, la chaleur.